Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ces flashs d'informations que nous présentons toujours à deux avec Hassan Djidda Oumar. Ahlan bik Hassan. Ahlan bik Ali Mohamed Bello. Ahlan bikoum al-mushahidoun al-aïza fi hadha al-mujas al-ikhbari min al-fadaïa al-chadia. Dans l'actualité, ce soir, mettant à profit son séjour dans la ville de Faya, chef-lieu de la province de Borkou, le ministre de l'hydraulique urbaine et rurale, Tahani Mohamed Hassan, a posé la première pierre de construction du local de l'antenne nord du programme PAIPA, financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 98 millions de nos francs. La ministre a ensuite visité l'unité de traitement des eaux de la ville de Faya, objectif s'imprégner de l'état des équipements et de l'eau produite par la société tchadienne des eaux. Après s'être imprégné des réalités du terrain, la ministre Tahani Mohamed Hassan a exprimé sa satisfaction quant aux réalisations de la ST dans la ville de Faya. Sur place ici en Djamena, les cadres du ministère de l'hydraulique urbaine et rurale suivent une formation depuis ce matin sur les techniques de suivi et évaluation des projets d'adaptation de lutte contre les changements climatiques. La formation durera 3 jours. Ouvrant les travaux, le directeur général des ressources en eau a mis l'accent sur les impacts négatifs du changement climatique dans les communautés locales. Vous aurez le reportage complet de Nouba Doumba et Talomadi dans la grande édition des 20h. La Commission nationale des droits de l'homme organise au CEFOT un séminaire de vulgarisation des textes de base de protection et de promotion des droits humains. C'est à l'intention des officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des agents des corps judiciaires. Un séminaire qui a pour but, selon le président de la CNDH, Djidda Oumar Mohamed, de renforcer les capacités des agents d'exécution sur les différents textes qui mettent en exergue l'aspect sacré de la vie humaine. Il s'agit des différentes conventions protégeant la vie humaine ratifiées par le Tchad. Rendons-nous sur les terrains politiques où une mission du cercle de réflexion des jeunes cadres du mouvement patriotique du Salut se trouve à Moussoro dans les barrels Gazal. Conduite par le coordonnateur Flavien Alitobio, la mission est sur place pour sensibiliser les militants à se faire enrôler pour les futures élections. Dans le même cadre, le cercle de réflexion des jeunes cadres du mouvement patriotique du Salut a inauguré un forage d'eau en mémoire de la défunte mère du président fondateur du parti, le maréchal Idriss Déby Itno. Et voilà pour ces flashs d'information en français. À présent, la tranche d'information en arabe. Et c'est avec vous, Hassan Djidda. شكرًا علي محمد بيلو أهلًا بكم مجددًا المشاهدون الأعزاء في هذا المجلس الإخباري من جديد. استجوبت اليوم الجمعية الوطنية بقصر الديمقراطية كل من وزير الصحة العامة دكتور عبد الله صابر فضل ووزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة شريف محمد زين، وذلك للإجابة على سؤال يتعلق الأول بالحالة الوبائية لوزير وجه لوزير الصحة، فيما يتعلق الثاني الذي وجه لوزير الإعلام بالاستراتيجية الخاصة بتوعية المواطنين حول خطورة فيروس كورونا. وضعت يوم أمس وزيرة المياه الحضرية والريفية تهاني محمد حسن حجر أساس لبناء مقر مشروع توفير المياه الصالحة للشرب في المناطق الريفية وشبه الحضرية وكذا بمدينة فايا حضرة ولاية بوركو، حيث استمعت الوزيرة إلى شروحات مفصلة من قبل المشرفين على تنفيذ هذا المشروع الذي موله البنك الإفريقي للتنمية بأكثر من 98 مليون فرنك سفة. وحسب تصريحات الوزيرة تهاني، هذا المشروع ينفذ في مدة 3 أشهر. سياسيا، وقبل أن نطوي صفحة هذا الموجز، التقى يوم أمس الأمين العام النائب الثالث لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ جان برنار باداري مع مناضلي ومناضلات الحزب بمدينة بالا حضرة ولاية مايوكيبي الغربية، وذلك للتباحث
حول التحضير للمشاركة في عملية مراجعة السجل البيومتري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية المقبلة، مناسبة شهدت العديد من المداخلات، منها مداخلة الأمين العام النائب الثالث لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ والمكلف بالإعلام جان برنار بدري. أحدث الأخبار تتابعونها في نشرة السابعة بمشيئة الله، وإلى ذلك الحين أترككم في أمان الله، إلى اللقاء. On vous donne rendez-vous à 21h30 pour les journaux des provinces. D'ici là, portez-vous bien. Restez toujours sur Téléthiat, la télévision. C'est ici chez nous.